Donc bonjour YouTube, disais-je. On est parti pour Hamlet. On est toujours en bêta, évidemment. C'est l'épisode 6. Et bon, c'est déjà décidé, tu verras les 5 premiers épisodes. Et donc peut-être que t'en verras beaucoup plus si jamais on meurt pas trop vite. On va découvrir ça ensemble. Alors, l'objectif, donc comme je disais à la fin du dernier épisode et tout de suite là avec le chat, l'objectif à long terme, enfin à moyen terme là, c'est de trouver le calendrier de l'apocalypse. Ah ouais, éventuellement de faire éclore cet œuf, ça serait bien aussi. Très bien. On a fait tourner la caméra là, non? Attends. Elle était dans quel sens notre... Elle était pas dans ce sens là plutôt notre ville? Je me rappelle plus. Si, c'était comme ça, non? Ouais, c'était comme ça. Ok, donc. Donc. On doit trouver le calendrier de l'apocalypse. On doit fabriquer la machine de magie et le téléporteur. Ça serait cool. Refaire une canne de marche, ça serait cool. Dans le désordre, du coup. Oh, des câlins. Oui, c'est bien les câlins. Aller visiter donc le biome là avec un masque à gaz. En un seul mot, le masque à gaz. Et puis voilà. C'est pas encore du beurre, décidément. On a de la chance. Hop. Il faudrait que je refasse un filet à papillon aussi. Donc il faut que je re-récolte de la soie. Parce que j'ai qu'un seul de soie. Pour la magie, on a dit qu'il nous manquait des planches et des feuilles et des plumes. Les plumes, c'est à base de... tiens, on va aller voir s'il n'y a pas de quoi acheter. Ah, les gears. Des gears pour faire un frigo. Ça, c'est important, ça. C'est dans quelle boutique, les gears? À l'Emporium, peut-être. Je ne sais plus. Emporium. Il y a de la soie pour 5 oink. Est-ce que je veux de la soie pour 5 oink? Réfléchissons. 5 oink, c'est pas beaucoup, mais est-ce que je les ai ici? C'est pas sûr. Je les ai pas. Voyons voir. Si, je les ai. Largement. Donc on va acheter ça. Comme ça, ça sera fait. On va aller prendre la soie. Et si par hasard, sur le pont des arts, si par hasard il nous offre des gears à vendre, non. Dommage. Ok, très bien. on va pouvoir se faire un filet à papillon parce qu'en fait je voudrais... Hop. Je voudrais replanter d'autres fleurs. Pour avoir plus de papillons. J'ai tapé avec. Ah, les réflexes ont la peau dure, quel dommage. Tiens, j'étais en train de me demander justement si c'était possible d'avoir encore des graines. Ça commençait à manquer. Il faut que je parte en explo. Il faut que je parte en explo. Des caves. Donc c'est espace et non pas contrôle F. Voilà, juste attends. Ok, bon la santé mentale c'est pas ça, mais ça c'est pas grave, on va mettre ça. Ça c'est abîmé, on va le dropper, on en a pas besoin. Ça on garde, ça on garde, ça on garde. La viande on drop, on en a pas besoin. Alors j'essaye de faire des meatballs, ça serait bien ça. Essayons de faire des meatballs, on va aller chercher. Le filet à papillon on en a plus besoin. Ça sera pour demain. Essayons de faire quelques meatballs avec les graines ici présentes. Mais du coup, il va falloir s'embrouiller avec le garde. Très certainement. Est-ce que j'ai une arme? J'ai un hambat périmé nul. Et mince. Pile au moment où je décide de combattre, je me fais... Hop.
mec il tape genre 2 minutes puis il arrête. C'est sa bonne résolution 2019. Il a décidé d'apprendre à jouer du djembé en 2019. Tu vas quand même pas lutter contre sa bonne résolution. Il doit apprendre le djembé en 2019. Pour ça, il faut qu'il tape tous les soirs un petit peu. Et voilà, parfait. J'ai plus de place. On reviendra après chercher le truc. Ça. Ça. On va encore être trempé avec tout ça. Je pense que je vais passer la nuit au camp, comme ça je récupérerai au passage les... Qu'est-ce qu'il fait à se promener là, lui ? Qu'est-ce que tu me veux ? Je vais passer la nuit au camp, comme ça non seulement je pourrais dormir un peu... Enfin dormir un peu, plutôt me tenir chaud, un peu. Hop, non, ça. 3 x 4, 12, donc on va pouvoir faire 3 meatballs, c'est plutôt cool ça. Du bois dans le feu, s'il vous plaît. J'en ai plus. Allô ? J'en ai forcément. Voyons voir. J'ai du pourri. Ça fait l'affaire aussi. Tac. Et comme ça, je peux reposer le petit œuf. Pourquoi il me suit partout, lui ? Donc. Parapluie. Meatball. Donc on va se faire la cuisine et après on part à l'aventure. À l'aventure compagnon. Je sais pas quel jour on switch de saison. On a switché la première fois vers le jour 11. Du coup je pense que ça va être jour... Ça brûle ça. Ça y est, on est tout sec. Hop. 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 Tac. Magie. Hop. Il me reste une viande. Je pense que je vais faire une meatball de papillon. De façon à pas avoir trop de bazar qui traîne. On va suspendre ça. Tac. Comment ça, quand 12 atmis, si tu peux faire ça. On est quasiment full vie. Et pourquoi ma santé mentale descend-elle? Je sais pas. Un instant, elle descendait, maintenant elle descend plus, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Djembe, faut taper dessus avec ta tête, mais non. Non, il va bien se rendre compte que non. Tac. Ok. Je vais aller changer ça contre un... La hallebarde. Qui se trouve là. Et en route. Donc, on a dit... le masque à gaz pour aller se promener dans l'autre biome. Ici j'ai fait le tour je crois, hein. Je sais plus. Ici il faudrait que je fasse le tour. Une autre canne de marche. Le masque à gaz. Je
Je l'ai pas ramené, je crois, le masque à gaz. Hein. Il est dans l'autre base encore. De mémoire. Ouais, ça c'est bon. S'il est là. 12. Hop. Ok. Bon, on y va comme ça. Vous savez quoi? On y va et on avisera. En route, pardon, excusez-moi, laissez-moi passer. Bonjour le scorpion. On va le laisser s'embrouiller avec les fleurs. Nous, on va chercher... Oula. Oh, il y a beaucoup de vines dans le coin, dis donc. Tiens, il y avait du bois magique, là. Qui est-ce qui a lâché du bois magique? Du coup, je me demande. Je vais aller chercher... Avant qu'ils prennent feu, on sait pas pourquoi. Là, il y a du vine, on s'en fout. On repasse par là. Bon, désolé, c'est un aller-retour pas forcément indispensable, mais... Ça me ferait chier qu'il brûle. Du coup, je préfère le déposer direct à la base. C'est quoi, c'est bizarre ce village-là. Ah oui, c'est parce que les deux zones sont superposées. Du coup, ça foire. Bon, on peut y aller cette fois? J'ai un casque toujours? Oui. J'ai un casque, j'ai une armure, j'ai une arme. J'ai un parapluie et un masque à gaz et un chapeau de pluie. Enfin, de brouillard, d'explorateur. On va faire le tour là. Savoir un peu ce qui s'y trouve et après on avisera. Part beaucoup beaucoup de vines, s'il vous plaît. Voilà, beaucoup, beaucoup d'insectes aussi. Vas-y, viens par là. Je peux peut-être les faire à la main, ceux-là. Ok. Et de quoi recharger mes lanternes, donc ça c'est plutôt cool. Très bien, on continue l'explo. C'est vrai qu'on est encore à cette phase de jeu où il y a des insectes, des coccinelles chelous partout là. C'est dangereux. J'allais dire, ça va plus loin que ce à quoi je m'attendais. Enfin, ça va plus loin que ce à quoi je m'attendais, mais ça va. C'est pas non plus toute une nouvelle zone. Ok, on continue par ici. Idéalement, je termine cet explo. Oh, c'est Géo! Bonjour, Géo l'intrépide! Bienvenue, bonsoir. Idéalement, on termine cet explo avant la nuit. Hop, 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 hop. Comme ça, quand la nuit tombe, je redescends dans les caves. C'est le projet, en tout cas. C'est l'idée. Nous y voilà. Bon. Alors. On repart par la sortie.
En route. Ah oui, il y avait ça. Ça sent le piège tellement fort que... on viendra ici quand on sera prêt. Pour ce genre de conneries. Faire le plein d'herbes, après tout, on a un petit peu de temps et il n'y a que ça à faire ici. Ah mais là aussi, il y a... Comment ça se fait qu'elles soient ouvertes ces cracks alors que... Qu'est-ce qui les a ouvertes à votre avis? Parce que c'est pas moi qui les ai ouvertes, c'est un bug? C'était super bien la rencontre Kirel. Ça nous a fait un petit coup de nostalgie à Comet et moi parce qu'en fait on n'était pas retourné dans ce bar là depuis 5-6 ans. Facile. Ça nous a fait plaisir d'y retourner. Bon, il y avait beaucoup de monde à la fin. En fait on a été tout seul jusqu'à genre 22h et après c'était blindé. À 22h30, il y a masse de monde qui est arrivé. Ok, et là c'est encore de quoi faire du vol. Ok. Bon, bah on découvrira ce que c'est plus tard. Hop. En attendant, on rentre. Hop. Je pense qu'on a changé de saison, il y a du vent là. On a très certainement changé de saison. Alors, mon masque à gaz, c'est parti. Alors le masque à gaz, ça coûte, comme vous le voyez, de la santé mentale. Ah, je voulais regarder si c'était vivable, mais en fait non, c'est pas vivable. Il faut vraiment tenir le masque. Parce que j'allais dire au pire, j'ai de quoi me soigner dans mon sac. Donc dans ce biome, déjà, il y a de la... des champignons. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le seul endroit où il y a des champignons classiques de cette extension de Hamlet. Alors, je sais pas trop ce qu'on obtient quand on coupe ces arbres-là, donc pour l'instant, j'ai pas envie de tester. On verra après. Passé un peu proche. Ok, c'est ça que je cherchais. Alors, c'est au milieu de tout un tas d'autres berdelles. Ça va pas être simple. Ok, très bien. Donc, c'est ça qu'on était venu chercher. Il y a beaucoup trop de fleurs autour. C'est vraiment risqué. Et j'ai pas de machette. Il faut ramasser ça avant que ça soit bouffé par quelqu'un d'autre. Je me soigne et machette pour rentrer. Non. 1, 2, 3, 4, je m'éloigne. 1, 2, ok. Je ramasse ça. Ok, très bien. Là, il faut à nouveau une arme. Je peux mettre mon... Aïe, mon casque. Je vais mourir. Non, 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 je veux pas mourir. Ouh, ça fait mal. Ok, chapeau de forme. Bon, on est à l'endroit que je cherchais. Je sais pas pourquoi je me suis dirigée par là, c'était plus fort que moi. J'ai voulu y aller, mais en fait, il fallait pas y aller. Bon. On va faire un petit feu. Alors, attends. Que faire? J'ai pas envie de prendre de risques trop, mais...
des serpents partout. Je vérifie s'il n'y a pas de cracks. Si. Tac. Des serpents du vine. Hop. Paf. Pas de cracks, ok. Ici, les cracks, c'est les... Les cracks dans les murs, en fait. Les murs craquelés qui donnent accès à une salle supplémentaire. Ça, là, Suspicious Cracks. Ok, alors... Pourquoi j'ai plus de lampe? Ah, elle est où, ma lanterne? Ok, ça, c'est bon... Ok. Est-ce qu'on peut rentrer? Donc on peut pas la craquer cette truc, ok. Mm-hmm. Donc il y a une suspicious crack ici. Tiens, depuis que ça d'Isaac manque plus que les larmes. C'est ça. Il y a un peu de ça dans cette version du jeu. Ici, il n'y a pas de cracks, non. Ok, ici, on va dropper la lanterne toujours. Aïe. Ok. Allez, où ma torche? Ça marche, bon courage pour les études, docteur Pelucha, plus tard. Moi, je vais essayer de pas mourir, c'est mon goal. Tiens, là, il y a encore un truc. Donc il y a 2-3 cracks différentes ici. Donc pour percer les cracks, il faut soit déclencher des tremblements de terre, je suppose, parce qu'il y en a qui se sont ouvertes sans que j'ai rien fait de l'autre côté, dans l'autre... En fait, je suis assez sceptique. Dans l'autre ruine, il y a des portes qui se sont ouvertes sans que j'ai rien fait. Je suppose que... J'ai déclenché d'une façon ou d'une autre des tremblements de terre qui auraient pu les ouvrir. Sinon, on peut utiliser des explosifs. Ça, je sais qu'on peut utiliser des explosifs. Mais du coup, voilà quoi. C'est un peu la découverte. Enfin, c'est complètement la découverte. C'est ça qui est bien en même temps. C'est Don't Starve. Donc, c'est la nuit. Hop là, le piège. Comment je peux faire? Est-ce que je peux faire genre hop, hop. Hop, hop. Tac. Ok. Ok, ok. Faut laisser un truc. Non, mais... Ça va être compliqué. On va le mettre là-bas, le truc. Ah.
plein des pots. Encore une suspicious crack. Donc il y en a, on avait dit une, deux, trois. Celle-ci, elle mène à la même que ça, donc c'est toujours trois. On va dropper ça ici, avec ça et ça. Et ça. J'étais en train de regarder le tour de mon écran qui devient vert. Ça, c'est parce que on est empoisonné, pas par les serpents, mais par la saison. Et donc, c'est pour ça que j'avais gardé tous ces trucs-là. C'est pour le bien de ma santé. Alors, on va gratter ça. Alors, un scorpion, très bien, on va le tuer. Oula, deux scorpions, ok. C'est un peu chiant, j'aime pas les scorpions. Ok, Eden. Aïe, je suis empoisonnée. Ok. Très bien. On va faire un petit feu, je pense. Quelque part, allô. Hop. Ça, je peux pas le manger, ok. Ça, je peux le cuisiner. Le cuistisiner. On va se cuisiner deux comme ça, déjà. Ces deux-là aussi. Et ça. Et il faut que je bouge d'ici pour aller me chercher un antivenin. Ok, encore comme ça. Vu le trajet que j'ai à refaire en sens inverse, je pense que je vais rebrousser chemin très vite. Mais on va essayer quand même de faire toutes les portes ouvertes. Surveiller mon poison. Et là, il y a forcément un piège. Bon, ça attendra alors, du coup. Ok, ok. On s'en va en vitesse. Merde. Aïe, aïe. Wishing Wells. Et tout droit à gauche. C'est parti. On a tué tout ce qui était sur le chemin, je crois bien, donc... Là, ce dont il faut que je me méfie, c'est les ombres. Parce que c'est la saison des ombres. Voilà. Hop. On va s'en faire une deuxième en vitesse. C'est bon, on y retourne. Mince. Attention piège. Ok. La canne de marche. On dégage rapidement de la zone. Hop, on rééquipe. Donc là, direction... la base secondaire là-haut. Je suis loin. Hein. Heureusement que j'ai la canne de marche. Pour obtenir des sous. Enfin, on va aller prendre des sous dans la base pour acheter du l'antivenin. En espérant qu'il y ait de l'antivenin du coup. Sur place. C'est vraiment mon souhait. Sinon, ça va être chiant. Je crois que j'ai assez de sous, mais je sais pas si j'ai... Enfin, faut qu'il y ait encore de l'antivenin dans le marché, quoi. Sinon, c'est la merde. Salut, The Caras. Ça, ça soigne. Il y a 51. Allez, allez. Ce
qui peut aider aussi, c'est ces arbres-là, mais parce que ça soigne beaucoup. Et à cette saison, ça n'empoisonne pas. C'est l'avantage, mais... Pour l'instant, on va déjà se concentrer sur... On va prendre tous les sous au cas où. Et la boutique, ça tombe bien, elle est juste à l'entrée du village, ça c'est plutôt cool. J'arrive juste à temps. S'il avait fallu passer une nuit, ça serait chiant. Le spa, voilà. Ok, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Hop, ça déjà c'est bon, ça va beaucoup mieux. Maintenant, on peut se soigner. On se sent un peu à l'étroit ici pour combattre. Ok. Ah oui, et bien sûr, quand on éternue, on fait tomber. Voyons voir. Blue Caps, ouais. Qu'est-ce qu'on va acheter? On peut acheter pour 3. Oh, ok, ok. Un truc comme ça. Et. J'en ai pas tué 3D. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai acheté un Rotz? Je crois que oui. Je crois que c'est exactement ce qui vient de se passer. Bon, très bien. On s'en fout, on s'en va. Hop. Ah, c'est la pleine lune cette nuit, tiens, tiens. On va se refabriquer un masque à gaz. Ok, Blunderbuss, je sais pas ce que c'est. Load on Messi but get the job done. Je sais pas ce que c'est. La santé mentale, c'est pas ça. On peut refaire un masque à gaz peut-être, vu qu'on en a déjà consommé un complet. Faut que je rachète pour ça un... Mais la boutique est fermée, je vais racheter un... Un bout de tissu. C'est ça. Faut que je rachète un bout de tissu. On va refaire un masque à gaz. Des points de vie. La santé mentale. Tac. Tac. Cette saison est affreuse pour ça, quoi. On passe son temps à être empoisonné, enfin à choper la toux là. Donc c'est ça qui fait que c'est tout vert autour de moi. Et si j'éternue, je perds mon stuff, je fais tomber mon stuff. Porter le masque à gaz, ça descend à balle la santé mentale. Salut Moriarty. Oui, d'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on a lancé là? On a lancé jour 22, on est jour 26. Et eh ben, je pense qu'on peut dire salut YouTube, c'est la fin de l'épisode 6. C'est ça, c'était l'épisode 6, hein, je crois bien.